Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés du mode zombie de Call of Duty Vanguard. Alors je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, je suis extrêmement déçu par cette mise à jour. Je m'attendais à un secret et il n'y a pas de secret, c'est une déception totale. Donc pour l'instant, ça me donne pas trop envie de jouer sur le zombie pour l'instant. Donc j'espère qu'en pré-saison, ils nous mettront au moins un secret ou alors au moins une nouvelle map, mais qui se bouge un peu le cul parce que là, enfin bref, voilà, je vais pas me plaindre dans cette vidéo, mais voilà, vous savez que je suis pas très content du truc. Alors tout d'abord, en première nouveauté, nous avons le pass de combat, bien sûr sur Warzone et sur Vanguard. Donc je vous le présente vite fait comme ça, hein, parce que voilà, c'est un pass de combat. Il y a des nouvelles armes, des codes points, il y a des doubles XP, il y a des animations, il y a des autocollants, il y a des nouveaux opérateurs, il y a des nouvelles variantes, il y a des nouvelles attaques, enfin, des nouvelles exécutions, des emblèmes, des porte-clés. Bon, on va dire celle-là, non, c'est pas celle-là que j'avais vue. Celle-là, elle est plutôt pas mal comme variante, ça va. Il y a des nouveaux opérateurs, hein. Je vous montre ça vite fait parce que de toute façon, le pass, vous pouvez tous le voir. En lançant le jeu, si jamais ça vous intéresse, après il y a d'autres youtubeurs aussi qui l'ont présenté en détail, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais. Moi je vous le présente tout vite fait parce que en fait il me botte pas plus que ça, bien entendu je l'ai acheté, mais il ne m'intéresse pas plus que ça. Et voilà, de toute façon la vidéo c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il y a de plus en zombie, là c'est plus général. Voilà, je vous fais défiler quand même le pass. Après, il y a des petits trucs sympathiques, hein, je dis pas. Hein. Regardez ça, c'est quand même sympathique. Le petit power runner comme ça, il est pas mal. Hein. Cette petite variante aussi, elle est pas mal. Il y a des exécutions qui sont pas mal aussi. Voilà, c'est pas le meilleur pass de combat qu'on a vu depuis longtemps. Quoi. Regardez, ce porte-clés est vraiment magnifique. Moi, je l'aime vraiment bien. Il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. Donc ça, je pense que c'est un truc animé. Je vais juste regarder. Normalement, ça, c'est un truc animé, si je me trompe pas. Ouais, voilà. Ça, c'est une variante animée. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Parce que les trucs animés, franchement, parfois, dans les passes de combat, ils en donnent quasi jamais. Il faut toujours les acheter dans les packs payants. Et là, ils ont donné un petit truc animé gratuit. Ça va. Enfin, bien souvent, ils en donnent toujours un petit camouflage animé. Regardez-moi ce... En fait, les porte-clés, c'est ce que je kiffe le plus, quoi. Voilà, après l'opérateur final aussi, il est pas mal, je vous montre quand même. Il est vraiment pas mal. J'aime bien. Regardez-moi ça. Le casque, il est trop stylé. Le crâne, torse nu et tout, franchement. Je peux pas dézoomer là? Ah si, je peux dézoomer. Ah ouais, ok. On dirait qu'il a une sorte de jupe. Hein. Voilà, voilà. L'arme finale, wesh, c'est quoi ce camouflage, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça donc? moi j'aurais bien aimé qu'ils donnent un truc animé. J'aime bien les trucs animés, là c'est pas animé. Faute de trouble. Donc voilà, ça c'est pour le pass de combat. Et le dernier porte-bonheur est juste un insane. Alors ça, le porte-bonheur, moi je suis fan. Je suis fan des porte-bonheurs. Enfin bref, donc maintenant je vais vous montrer ce qui se passe en zombie. Donc les nouveautés en zombie. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de secret. Il y a juste un nouvel objectif que je vous présente là maintenant dans le gameplay, qui s'appelle Purge. Alors ce nouvel objectif Purge va vous demander de sécuriser des zones en fait. Vous aurez 9 zones à sécuriser. Après je suis en début de partie. Peut-être que plus tard, plus vous montez dans les manches, plus vous avez de zones à sécuriser. Mais là au début je devais sécuriser 9 zones. Alors il faut savoir que quand vous sécurisez les 9 zones entières, ben là vous réussissez l'objectif. Mais vous n'êtes pas obligé de sécuriser les 9 zones. Bien entendu c'est fort conseillé. Parce qu'en fait si vous ne sécurisez pas les 9 zones, Et au bout du compte à rebours, donc je pense que c'était 2 minutes si je me souviens bien, au bout du compte à rebours, vous avez des zombies, un nombre de zombies à tuer, et si vous les tuez pas, ben là vous avez échec de la mission, et là vous perdez. Et ces zombies sont super super rapides et super balèzes. Donc franchement, moi je vous conseille quand même de faire les zones, parce que sinon vous allez avoir des zombies qui vont rusher directement manche 1, manche 2, ils vont directement courir comme des oufs. Et vous allez peut-être mourir à cause de ça. Donc sécurisez les 9 zones. Après vous avez 2 minutes pour sécuriser 9 zones. C'est très très peu. Je trouve que cet objectif est quand même assez compliqué dans les hautes manches.
qui va être un peu compliqué dans les hautes manches. Je ne l'ai pas testé, mais je pense que ça va être assez compliqué. Alors, j'ai remarqué aussi un truc. Une fois, j'ai rempli 8 zones. J'ai sécurisé 8 zones sur 9. Donc, pour sécuriser une zone, il suffit juste de la chercher. Parce qu'il faut les chercher en plus. Vous avez 2 minutes pour chercher les 9 zones. Ensuite, vous vous placez sur la zone. Vous la sécurisez en 5 secondes, 5-10 secondes. Vous sécurisez la zone. Il faut faire ça 9 fois. Alors, moi, j'avais réussi à en trouver 8 dans une map. Ensuite, il m'en manquait plus qu'une. Et je la trouvais pas. Donc quand la fin du compte à rebours est arrivée, je devais tuer plus ou moins 8 à 9 zombies. Donc voilà, je devais en tuer beaucoup moins. Une fois j'ai fait une zone où j'ai sécurisé que 2 zones, enfin une purge où j'ai sécurisé que 2 zones, et là j'ai dû tuer 45 zombies. Et franchement je vous assure que c'était quand même galère. Donc vaut mieux sécuriser les zones. Surtout si vous en sécurisez 0, je pense qu'il faudra tuer 50, 60 zombies. Donc ça va être assez compliqué, surtout qu'ils sont assez rapides et assez balèzes. Et en plus j'avais un zombie boss avec une grosse mitrailleuse. Donc voilà, ça c'est pour le nouvel objectif. Il n'y a que celui-là comme nouvel objectif. C'est la purge. Donc voilà, rien d'autre à dire à propos de cet objectif. Alors maintenant, je vais vous présenter la dernière nouveauté du mode zombie. Ce sont tout simplement les nouvelles améliorations de combat. Donc les nouvelles améliorations d'alliance. Il y en a 5 au total. Il y en a un qui s'appelle Vengeance, qui inflige bien plus de dégâts en vous déplaçant plus vite, s'active peu de temps après vous être déplacé. Ben voilà, en fait, il y avait une amélioration qui s'appelle Terre Hostile, qui inflige plus de dégâts quand vous êtes immobile. Et ben là, c'est la même chose, sauf que c'est quand vous bougez. Donc dès que vous commencez à courir et vous déplacez plus vite, ben vous allez infliger beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, ça c'est pour la compétence numéro 1. Ensuite, il y a Câble HS. Donc ça donne une chance d'étourdir un ennemi normal ou spécial en leur tirant dessus. Donc voilà, c'est un câble HS. Quand vous allez tirer sur un ennemi, bah vous avez une chance d'étourdir le zombie ou le zombie ennemi. Et si vous tirez sur un groupe de zombies et que vous étourdissez un zombie, logiquement, ça va étourdir tous les autres zombies qui sont aux alentours. Alors la troisième amélioration s'appelle Souffre et ça inflige constamment plus de dégâts aux ennemis à proximité. Donc en fait, quand vous allez être près d'un ennemi, un zombie, en fait le zombie va subir des dégâts et plus il va rester longtemps près de vous, plus le zombie va subir de plus en plus de dégâts. Donc ça c'est une compétence, une amélioration que si on vient à la glitcher, ça peut être très 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 utile. Mais voilà, en soi, je pense que c'est pas super utile. Enfin, ça peut être utile, mais je pense qu'il y a beaucoup, il y a des améliorations beaucoup mieux que celle-là. Que celle-ci. Pareil pour Câble HS, il y a des améliorations beaucoup mieux que celle-ci. Par contre, Vengeance, je pense que ça peut être très utile pour faire des hautes manches. Alors ensuite, il y a le collecteur, l'amélioration collecteur qui va vous donner plus de matériaux quand vous allez en ramasser par terre ou carrément en terminant des objectifs. Donc vous recevez des matériaux, par exemple, quand vous en ramassez par terre, ça vous donne 50 matériaux. Ben, grâce à cette amélioration, ben, peut-être ça vous donnera le double. Genre sans amélioration, quand vous allez terminer un objectif, vous en gagnez peut-être 250. Ben là, vous allez peut-être en gagner 300, 400, 500. Je sais pas exactement, mais voilà, ça vous donnera plus de matériaux. Donc ça peut être utile, mais c'est pas quand même foufou, hein. Mais pour faire des hautes manches, moi je vois pas à quoi ça pourrait nous servir en tous les cas. Ensuite, il y a Daikiri qui vise automatiquement le point faible, donc ça veut dire la tête ou le point faible de l'adversaire s'il y a un autre point faible que la tête. Ça visera automatiquement le point faible dès que vous faites L1, donc dès que vous visez, ça vise directement le point faible. Et ça supprime l'oscillation. Donc l'oscillation, si je me trompe pas, c'est quand c'est le recul de l'arme, je crois. En tous les cas, ça supprime l'oscillation. Donc soit ça supprime le recul, soit ça supprime l'oscillation que quand tu bouges et tu vises. Ben voilà, je sais pas trop ce que c'est l'oscillation, mais bon. Pour ceux qui savent, voilà, vous avez capté les bails. Il y a aussi un gros bonus de dégâts pour le premier coup critique sur chaque ennemi. Donc si vous tirez votre première balle dans la tête, et ben ça fera beaucoup plus de dégâts. Donc cet atout là est vraiment pas mal parce que vous allez pouvoir faire la technique L1 R1. Dès que vous voyez un zombie, tac, vous visez, vous tirez. Vous n'avez pas besoin de viser sa tête. Vous visez, vous tirez. Boum, ça vise directement le point faible. Donc, et en plus de ça, ça augmente les dégâts. Donc il y a moyen que celui-là soit utile pour faire des manches, voire même le secret quand il y en aura un disponible. Inch'Allah. Et voilà qui termine toutes les nouveautés du mode zombie de la saison 1. De Vanguard, donc c'est quand même abusé. Alors moi, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas acheté le jeu, moi je vous conseille pas de l'acheter maintenant parce que il n'y a pas grand chose. Après, si vous voulez l'acheter, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'attendre la saison 2, la saison 3. Enfin, quand il y aura une map
au moins une map officielle et un secret. Donc là, ça vaudra peut-être le coup de l'acheter. Le jeu est bien en soi, hein. Le jeu est vraiment bien, moi j'aime bien le jeu. Mais il n'y a rien quoi, il n'y a rien. C'est bien d'avoir un jeu qui a de bonnes bases, je trouve que les bases sont bien. Mais s'il n'y a rien, ben, je fais rien en fait. J'ai pas envie d'aller... Ouais, maintenant il y a les prestiges, c'est bien. Il faut savoir qu'il y a 1150 niveaux dans les prestiges. Donc regardez, je vais vous montrer ça. Vous allez dans caserne, vous allez dans saison 1. Et là, vous allez dans prestige. Et là, vous allez voir qu'il y a 21 prestiges ou 23. Non, 21 prestiges. Là, ça m'affiche 1050. Mais tout à l'heure, ça m'affichait 1150 niveaux. Je sais pas si c'est un bug ou quoi. Mais voilà, s'il y a 1150 niveaux, moi, ça me donne pas forcément envie de les faire. Je suis pas un tryharder là-dessus. Puis, de toute façon, je vais utiliser un lobby pour le faire. Donc, voilà. Par contre, ce que je reproche, c'est qu'il y a vraiment zéro contenu pour le moment. Je pensais qu'à la saison 1, il y aurait eu au moins un secret sur la map d'Erenfang, donc le mode de jeu, mais en fait, pas du tout. Donc, je suis vraiment déçu pour ça. Après, il y a d'autres nouveautés qui vont arriver en mi-saison, donc pendant la saison 1, avant la saison 1 rechargée, il y aura de nouveautés en zombie, quelques nouveautés, c'est pas ouf, mais il y a quelques nouveautés, surtout une qui est très intéressante, mais je ne vais pas vous la présenter dans cette vidéo parce que je vous l'ai déjà présentée dans une ancienne vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, je mettrai le lien de la vidéo en question, en description, en commentaire, épinglé. Si vous êtes juste intéressé par le zombie, avancez vers, je crois que c'est la fin de la vidéo, où justement je parle du zombie, parce que dans la vidéo que je vous mettrai en description, en commentaire, épinglé, eh ben, ça parle de Warzone, du multi et de Vanguard, enfin ça parle de tout en fait. Et vraiment vers la fin, je parle un peu de zombies parce que je suis le patch note. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoisCoolMec et ciao. Peace.